Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Company of Heroes, je veux dire que je dis Company of Heroes 3, et on se retrouve donc pour la suite de notre campagne. J'avais dit que je mettrais fin au tour en direct, donc voilà, je mets fin au tour en direct. Et on va voir ce qui se passe. Alors il y a eu une petite mise à jour du jeu qui apporte quelques petites corrections, et apparemment on nous promet pour la campagne un peu plus, alors j'espère que ce sera bien pris en compte pour une partie en cours, mais plus d'agressivité de l'IA, parce que là c'est vrai que l'IA ne fait rien, hein, faut le dire clairement. À part nous envoyer des avions de reconnaissance et nous attendre. Déjà, je vois des déplacements, il se passe des choses. Voilà. C'est presque une des premières fois où je vois des déplacements. J'exagère, mais. Mais quand même, il a l'air de se passer un peu plus de choses. Ok. Après, des petites corrections au niveau des coûts, des unités, etc. Je me suis pas penché sur tout. Je suis pas assez méta pour ça. Donc, c'est pas bien grave. Alors ici on va aller avec détruire un peu tout ce qu'on peut ici. Voilà. Et là on devrait pouvoir aller prendre nos Serra à ce tour-là. On va pas s'en plaindre. Hein. Voilà. Super. Capturer des ports pour augmenter notre nuit de population. En fait, c'était la dernière fois que je le cherchais, c'était écrit là. Hein. Donc, prochain objectif, Naples. Par ici, par contre, ouais, il faut vraiment prendre les ports. Donc, les ports, il n'y en a pas des centaines. Hein. Ok, bah Naples, prochain objectif. C'est prendre Naples. Ok. Donc, eux, c'est bon, eux, c'est bon. L'avion, on va le réparer. Hein, parce que voilà. Et ensuite, on va refaire. Alors, survol ici, ça va être un peu compliqué. Parce que si je l'envoie par là, c'est considéré qu'il est dans la région. Et donc que forcément, il va se faire encore une fois bombarder. Alors, on a gagné 2 points supplémentaires. Ouais, apparemment, il se fait quand même bombarder. Alors, il confère des ressources qui détruisent des unités et des infanteries, c'est pas mal. Ça, non. Une compétence soutien qui peut être utilisée pour appeler des camions médicaux pendant les batailles en temps réel. Ok. Peut-être la possibilité d'appeler d'autres types d'unités. On a le char moyen Sherman, le Valentine 2, le char lourd Churchill et le chasseur de chars. Ah, ça aurait pu être pas mal d'avoir un char lourd. Débloquer un char lourd avec eux. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter le char de commandement Valentine. On peut ou on peut pas? Ah ben on peut. Voilà, on peut. Comment déploie un commandement Valentine qui augmente la cadence de tir, la vitesse et la pression de l'infanterie à proximité. Ah, c'est pas mal ça. Très bien. Ben voilà, c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec eux, j'irai bien détruire ça déjà. Voilà, on est tranquille. Et ensuite, on verra pour aller taper l'infanterie qui est là. Mais de toute façon, on est obligé de mettre fin à notre tour. Est-ce que je peux faire un bombardement? Non, ça, je manque de munitions, donc je ne peux pas. Ok, ça roule. Bon, on s'arrête là. On va voir ce que font les unités allemandes, s'ils font quelque chose. Oui, bon, ça on connaît. Ah bah voilà! Un peu de fun. Une escarmouche, très bien. Le point de capture se réveille dès le début. Au moins de la cadence de tir et les dégâts des artichars. Se soigner passivement hors combat. Allez, on va la faire cette petite bataille. Let's go! Ouais, ça me. Ouais, je suis motivé. Ok, faut prendre le milieu. Lance-flamme, équipement de reconnaissance. Et des gourkas immédiatement parce qu'ils sont trop bien.
Empêcher l'ennemi de capturer la position. Ah oui, carrément. Faut l'empêcher. Bon alors là, il va falloir défendre à mort. Hein. Alors, à mort, hein. Par contre, ah oui, d'accord, c'est bien considéré comme un... En attendant, avec lui, on va aller prendre d'autres points quand même pour. J'imagine que plus on a de points comme ça, plus ça accélère la fin de partie. Ce qui va pas être du mal, un mal, hein. Qui 4 points de commandant pour avoir eux, ok. Quand on peut prendre eux, ouais, on va carrément prendre l'unité de mortier. On va les faire sortir eux. Hold firm. The enemy have 250 points left. Tac et tac. Il va nous falloir rapidement de la mitrailleuse aussi. Pour capturer, enfin pour garder ce point là. Voilà, eux ils sont prêts. Allez, on attend le fusil mitrailleur. C'est une mitrailleuse. Je sais que ça débat sur ça dans les commentaires, hein. Alors bon. Et eux, je pense que je vais les mettre dans ce bâtiment-là. Même dans l'église, tiens. Alors, non, on va faire autrement, on n'a pas le temps, vous vous mettez là. Et vous, vous allez me pionner ça. Merde. Ah bah ils vont là finalement. Bon bah ok, pourquoi pas. Hein. Par contre, ok, le rang de visée il est comme ça. Le changer ou pas? Ah cool, c'est trop bien ça. Bah je prends. Allez, un petit bâtiment là. Bon, ça c'est une carmouche qui peut durer assez, qui peut être assez rapide. Hein. Ça va pas durer longtemps, ça c'est sûr. Oh, parfait, oui, battez-les comme ça, moi ça me va. Hein.
Honnêtement, elle va vite, elle va aller vite cette escarmouche. Hein. Report just in. The enemy is down to only 75 points. Heavy mortar, stand by. Ready for trouble. Out men, quick as you can. Gorkali, stand to attention. Pack up. We're heading out. Ammunition's point is being overrun. Ok, ils sont en train de nous prendre ça. Smashing work. The enemy's down to only 50 points. HMG team has your target. A sector is in enemy control. Allez, on va demander un peu plus de soutien ici pendant qu'ils sont pris à terre. Ouais, tranquille la mission, franchement. Pourtant je suis en difficile, hein, mais bon, c'est assez tranquille sur celle-là. Bon, il y en a qui sont un peu plus galères, mais celle-là est facile. Parfait! Allez hop! On prend! On va revenir sur la petite carte tactique. On a fait assez mal quand même. On fait ce qu'on peut. Tellement de choses à faire. Oui. Les partisans sont assiégés. Il faut aller éteindre le truc. Il faut. Oui, c'est la guerre. Il y a plein de trucs à faire. Je sais. Bon, éteindre l'incendie au dépôt. Je sais pas si c'est si urgent que ça finalement, mais. Chart de commandement. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Un commandant vétéran améliore. Les bénéfices de l'Oroi augmentent, hein, développe barrage fumigène ou permet commandant d'améliorer la performance des véhicules à proximité. Oh, je sais pas si je vais claquer d'autres points pour les améliorer honnêtement. Ça c'est pas mal. Il y en a qui coûtent quelques points, on va peut-être les économiser pour le moment. Potenza c'est une mission. Mais va bien falloir hein, parce que si on veut pouvoir aller là-bas, va falloir faire la mission. Oh. Ah. Ouais, pour ce tour-là, visiblement, ce sera juste le bunker. Ça va être trop loin, ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bombarder dans le coin? Alors, j'aurais bien bombardé Naples, mais je crois que si on fait ça, ça baisse ils le disent pas, hein, c'est ça qui est un peu chiant. Hein. Je vais sauvegarder. Je rechargerai si besoin parce que je suis pas sûr de moi et je crois que j'avais fait un test. Je crois que quand on fait ça, ils sont pas contents les partisans italiens et ça baisse la réputation avec eux.
Ouais, c'est ça. Ah, ils désapprouvent, ouais. Puis je crois que c'est assez violent, hein. Ouais, on repart en dessous du niveau 1, quoi. Donc ça m'embête, j'ai envie d'avancer un peu avec ça quand même, donc je vais pas le faire. Mais bon, du coup, il y a moins d'utilité à faire des bombardements sur les villes. Mais bon, après, c'est logique aussi, hein, dans un sens, c'est vrai qu'ils sont pas... Ils sont rarement fans du truc, hein. Pardon, on va pas jouer à ça. Hop! Éventuellement, si je peux bombarder peut-être les positions, ça oui. Mais bon, ça coûte cher, hein. Des munitions juste pour bombarder une petite position de défense, anti-char, etc. Mais faut éviter les villes, quoi. Voilà. Genre avec eux, là, je peux faire ça. Voilà, soigner d'ailleurs l'unité. Celle-là, elle va aller faire ça. Voilà. Et ça, c'est quoi, caisse de munitions moyenne? On va le prendre au tour d'après. On peut bien les transférer d'un aérodrome à l'autre. Ok, donc je peux le transférer à celui-là si je veux. Pour le moment, c'est pas la peine. Ça ne va pas s'avérer nécessaire. On va mettre fin au tour, hein. Parce que là, on va prendre Potenza et puis après, on va aller sauver eux. Et après, on verra. En espérant qu'on puisse. Ok, il me saute dessus, hein. Une escarmouche. Ok. Ouh, c'est violent ça. La compagnie allemande en compétence de soutien. Ah, on peut les choisir! Punaise, mais j'avais pas compris moi. Ah, bah c'est cool ça. Les ennemis rejoignent le champ de bataille en mauvais état. Ça, c'est bien. Plusieurs points de capture sont révélés dès le début, ok. Et ça. Ah ok, j'avais absolument pas compris. Hein. Bah, désolé si vous aviez compris et pas moi, mais clairement c'est pas. Ça peut-être expliqué vite fait dans un tuto, mais il y a tellement de choses, c'est pas très clair. Ok, allez, let's go. Bon, je pourrais peut-être pas le faire en entier, j'en suis à combien de tournages? À 18 minutes. Bon, ça va, j'ai un peu de marge. La carte est grande, hein. Capturer tout le territoire autour de la base ennemie. Ok, ça c'est des missions qui sont longues, ça. En général, ça c'est de la mission un peu longue. Alors, on va prendre des Gurkha, évidemment. Gurkha rifles have been brought up to the front. Pay attention, lazy buggers. Royal Engineers here. Eyes open, guns up. We're taking that position. We got the upgrade. Brothers, let's get hunting. Listen up, we have our orders. Move out. We must claim that ground. Ziggy's ahead. It's captured. You're not all bloody officers. Time to work for a living. Time to march, boys. Come on. Pack it up, lads. We're moving. What a beauty! Flags raised! Gurkhali are always ready. What trials await us, I wonder. Ok. Je pense que là, il y a carrément une zone à défendre ici. Hein. Tous les ponts. Hein. Enfin, tous les ponts, peut-être pas, mais. An infantry section is present and accounted for. Quit whinging and march. Ok, on les voit déjà là-bas.
present and accounted for, sir. Command has issued orders. Take that point and hold it. On va donc faire une unité de mitrailleuse Vikens qu'on va envoyer là directement. Matériel abandonné 0 sur 4. Oh là 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 là. Ok. Ah, il y a du boulot. Hein. Gurkali, stand to attention. Orders understood. Let's get started. Alors, ça c'est bon. Heavy machine gun has been deployed. Faut que je fasse ce bâtiment là vite. Pour faire autre chose que juste des fusillés. Always eager to serve. Sappers, eagles will ever be. Attention, lazy buggers. C'est quand même efficace, hein, je trouve, cette unité de reconnaissance, moi. Bah ouais, mais bon, les gars. Tant pis, hein. Pas tout faire. Évidemment, on va faire de l'anti-char tout de suite. Down and listen up. Okay. The Gagali are always anti-tank weapon and crew on the field. Six pounder anti-tank gun ready. Ouais, on va le ramener clairement là. Pay attention. Ok, ils arrivent. Peut-être pas d'ailleurs, mais. Ok, comme j'arrive à les repérer à peu près, les mitrailleuses. On va voir si on peut demander. On va attendre de voir où est-ce qu'ils se posent déjà. S'ils viennent sur le chemin qui est là, on va les allumer. Ok, 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 oh, c'est bon, ils sont là. Rien dit. Ils bougent ? Ok, s'ils bougent, on y va. Ils sont où ? Trop vite ! Et ils vont vraiment vite, hein. Gagali here and obey. Area has been secured. Let's move, Gagali. Let's move with a purpose. Keep your confidence, brothers. Move, move. Get going. Gagali, head out. Here we go. To the letter, Gagali. Target their right. We have found the enemy, brothers. Hop. Orders received. Stand by.
We're losing a munitions point. Found the enemy line! Grenade on that target! Voilà, on les a bien eus. Ça va être très urbain comme combat. J'aime bien. Entrez entre les deux là. On les a défoncés, eux. Alors, on va pouvoir appeler le char de commandement Valentine. Et ça, c'est cool. S'il soutient l'infanterie, ça me va bien. Alors, faut se méfier. Faut se rappeler qu'il y a une mitrailleuse dans le coin. Ce qu'on pourrait faire, c'est... Bon, déjà, on a lui qui arrive. On va refaire une mitrailleuse. On va faire venir ici. Pay attention, lazy buggers. Shut your mush and move your feet. I don't want to hear a fucking word. Mark! Super. Heavy machine gun and crew are ready for orders. The beggars are threatening the munitions. Ok, là il y a du monde hein, par contre. Ok, let's go. On demande un bombardement ici. On demande une grenade ici. Toi, tu t'arrêtes là et t'allumes. Ok, donc là on a perdu quand même une unité fusillée. Donc prendre eux et venir là. Ou j'en reprenne peut-être une hein, quand même. Au moment niveau bâtiment, de toute façon, canon automoteur, bishop, ouais, ça c'est pas mal. Ça me coûte quoi? 320. Ouais, je peux le faire et je dois pouvoir faire des fusils en plus. Ok, nickel. Qui c'est qui nous allume là? A new infantry section is ready for battle. Ah bah oui, c'est moi, je suis bête, c'est moi qui l'ai demandé. Oh là là. Artillery carrier and crew on standby.
Et eux, on va les faire revenir ici tout de suite parce que apparemment ça s'excite un petit peu. Allez, ça va fuir là normalement. Voilà. On va également. Ça coûte un peu, mais on va refaire une mitrailleuse ici. Eux, ils vont se replier. Non mais, c'est quoi ce point là? Aucun sens. Et j'avais bien demandé une autre mitraillette, non? Il y a eux. Ouais, alors eux, ils n'ont rien à faire là. Par contre, oui, ils vont venir ici, clairement, et ils vont se mettre là. Voilà. Ok. Alors, attention, parce que là, hop. Hop. Ok, ils arrivent là. Hop là. Quand ils arrivent sur cette place là, ça ne me rassure pas. Qui je peux envoyer rapidement? Eux hein. Bim, ça ils ont pas aimé hein. Ok. Donc lui, il va se calmer, il reste là. Lui, il se remet là. Lui, il se remet là. Ici, ils en sont ouf. Que ça avance quand même un petit peu. Bon, il y a eux qui couvrent, donc ça va. Ça passe pas quand même pour le moment. En attendant qu'il y ait une autre mitrailleuse, bah c'est eux. Oh les ordres, putain, je vous jure. Ouais. Eux ils sont barrés là-bas. Ici. Ah, ils sont plus que deux malheureusement. J'ai eu un petit souci de. On va prendre ça. Ouais, bah là ils sont en train de nous prendre ça. Je suis pas trop étonné. Oh oh, allez. Combat!
Bring up the bread. We need it. Flush the grenade. Take cover. Move it now. Fire your rifles and Kukuris. Attack, brothers. Faut vraiment que je mette des mitrailleuses un peu à toutes les positions en fait, hein, parce que sinon je vais me faire déborder. Pas trop le choix. Hop, on va en faire une ici. Allez, faut que vous ayez les autres fusils vous aussi, ça va nous aider là, parce que les armes de base c'est pas ouf. Merde. Eh oui, je me suis fait avoir. Tout ce petit monde va venir là. Non, pas vous, d'ailleurs. Ah non. Revenez là. Ici. Partez. Attention, lazy buggers! Heavy machine gun and crew are ready for orders. Gurkha's waiting on your. With all due haste, men. A strategic point is being overrun. Okay, sniper, carrément. Bien. Tiens bien. Zappers, ready. We got orders to move, so move. Well, like a shit through a goose. Territory lost. Come on, Zappers, get to fall. Allez, let's go. Je sais pas si ça va marcher de là. Ok, faut se barrer. Bon, eux, ça va le faire. Par contre, le sniper, va falloir vraiment que je puisse aller l'attaquer en direct, en fait. Enfin, que je puisse foncer avec des unités, quoi, genre eux. Et là. Bon, eux, c'est bon, ils ont été retenus. Ici. Ils vont pas faire long feu. Voilà. Là, il y a eu du merdier. Il y a eu du misclic à gogo. Hein. Wait, we don't have a brew up.
On va aller prendre ça. Ok, le sniper il est là, parfait, on lui fonce dessus. Voilà. Comme ça au moins, on est tranquille. Ok, on a pris le premier point. On va aller prendre celui-là. Voilà. On y va. Abattez-les, bordel! Punaise. Ouais, c'est une reconnaissance, je trouve que c'est quand même vachement puissant. Ah, celui-là, vous avez pas le droit de le laisser en vie. Hein. Ah, voilà. Pardon, hein, je parle pas beaucoup comme d'habitude, hein, vous le savez, je me concentre. Par contre, lui, je le veux. Pas de pitié. Bim. Alors, eux qui montent là, eux il faut qu'ils avancent ici, lui ben, il va allumer là, on va les faire reculer, on va les faire reculer, on va les faire reculer. Ça fuit, parfait. C'est ce qu'on voulait. Admettons-le. Rifle
Ok. Ok, c'est bon. Nickel. Voilà, là-bas ça va les couper et on est en train de prendre toute la carte tranquillement. Et avec eux, on va foncer sur le troisième et dernier point, celui-là. C'est nickel parce qu'on a le tank du coup qui fait barrage, qui les empêche de sortir de leur zone de leur zone là-bas. Is being overrun. Got some Bosch wankers looking for a fight. In contact! Call up support! Hop, ici on fonce. Il y a combien de durée d'épisode? 47 minutes. Je vais y mettre fin quand même. Je suis désolé de vous laisser en suspense. On finira la prochaine fois. On démarrera sur l'autre. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt sur les jeux du cygne. Bye bye!